Lecture chantée pour le 17 juin 2024. On va travailler sur la lecture chantée numéro 8. Et là, bingo, on a 7 dièses à la clé. Donc, on ne peut pas faire plus, hein. On va donc déterminer la tonalité de cette petite mélodie. On va d'abord, on a deux possibilités, soit on est en majeur, soit on est en mineur. Donc déjà, on va chercher en majeur à quoi ça peut correspondre. On prend le dernier dièse, donc il est sur le si, hein, le dernier dièse il est sur le si et dièse aussi. On augmente d'un demi-ton et on obtient do dièse. Donc si on est en majeur, on est en do dièse majeur. Mais on regarde la mélodie, la dernière note est un la et on a un double dièse en fait sur le sol. Il y a un premier dièse à la clé et il y en a un deuxième. Donc on n'est pas en do dièse majeur. Comment fait-on pour avoir la relative de do dièse majeur? Eh ben, on descend d'un ton et demi. Donc, on atterrit sur la dièse mineur. Donc, la tonalité de cette petite mélodie est la dièse mineur. Voyons ensemble comment est construite la gamme harmonique de la dièse mineur. Donc, on va mettre toutes les notes sur la portée. La, si, do, ré, mi, fa, sol. Donc, on a vu qu'à l'armure, les 7 notes ont des dièses, donc on met des dièses partout. Lorsqu'on est en mineur, la sensible est augmentée d'un demi-ton. Le sol qui est dièse devient sol double dièse. Donc c'est important de marquer double dièse et non pas la pour ne pas confondre avec le la et surtout pour marquer, pour bien déterminer, pour bien que ça saute aux yeux que l'on est en la dièse mineure. Ensuite, on va chanter notre petite mélopée en la dièse mineure. Notre petite mélopée est composée de 2 accords, un accord de tonique, un accord de la dièse mineure et un accord de dominante ici, hein, l'accord de dominante, qui est composé d'un accord de mi dièse majeur. On va commencer par la dièse, do dièse, mi dièse, on redescend sur le ré dièse, si dièse, sol double dièse et on revient sur la dièse. La dièse, do dièse, mi dièse, ré dièse, si dièse, sol double dièse. Je vais le refaire sans dire les dièses. Voyons ensemble les accords 1, 4, 5, 1 et l'enchaînement d'accords 1, 4, 5, 1 dans la tonalité de la dièse mineure. Donc, on a vu qu'à l'armure, les 7 notes de la gamme sont dièses.
On va donc à l'état fondamental, la corde la dièse mineure, donc c'est la dièse, do dièse, mi dièse. La corde ré dièse mineure, quatrième degré de la gamme de la dièse mineure, est un accord de ré dièse mineur, ré dièse, fa dièse, la dièse. Donc tous les dièses sont à la clé. Hein. L'accord dominant, cinquième degré, est un accord de mi dièse majeur. Donc mi dièse, sol, double dièse, donc si dièse. Pour enchaîner ces accords, on va utiliser différentes positions de l'accord de sous-dominante et l'accord de tonique. On va partir sur un accord de tonique, donc un accord de la dièse mineure, que l'on va plaquer la dièse, do dièse, mi dièse, avec les doigtés 1, 2, 5. Ensuite, on enchaîne un accord de ré dièse mineur, quatrième degré, la dièse, ré dièse, fa dièse, avec des doigtés 1, 3, 5. On enchaîne avec l'accord de dominante, cinquième degré, donc l'accord de mi dièse majeur, que l'on va jouer sol double dièse, si dièse, mi dièse avec des doigtés 1, 2, 5 et après on revient sur l'accord de la dièse mineure, la dièse, do dièse, mi dièse avec les doigtés 1, 2, 4. Enchaînement d'accords 1, 4, 5, 1 dans la tonalité de la dièse mineure. Tout d'abord on va positionner la main gauche, le doigté numéro 5 sur le la dièse, le doigté numéro 2 sur le ré dièse et le pouce sur le mi dièse qui correspond à la touche fa, à la note fa. Premier degré, sous-dominante, quatrième degré, dominante, cinquième degré. Accord de la dièse mineure, donc la dièse, do dièse, mi dièse avec les doigtés 1, 2, 4. On enchaîne avec un accord de ré dièse mineure, la dièse, ré dièse, fa dièse avec les doigtés 1, 3, 5. Accord maintenant de dominante, mi dièse majeur, donc sol double dièse, donc on va poser le pouce sur le la, donc sol double dièse et le la, si dièse c'est le do, et le doigté numéro 5 sur le mi dièse qui est le fa. Et on revient sur l'accord de la dièse majeure, donc la dièse, do dièse, mi dièse, avec les doigtés 1, 2, 4. Thank you.